Moteur, action! Salut tout le monde! Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo revue. Ça faisait super longtemps que j'en ai pas fait des revues parce que j'avais pas le temps et je me suis beaucoup concentrée sur les grosses vidéos avec des gros montages comme des Get Ready With Me, des DIY, les vidéos Back to School et tout. Bref, ça me prenait juste trop de temps. Et là, j'avais décidé de me poser parce que voilà, je me suis dit tiens, aujourd'hui, je vais tourner une vidéo plus cool. Et donc aujourd'hui nous voilà. Donc aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo, comme je vous ai dit, revue. Je vais vous parler d'un produit que j'ai testé, dont on m'a demandé. Voilà, il y a certaines filles sur mon Facebook ou Instagram ou Twitter qui m'ont demandé est-ce que j'ai déjà utilisé Crève. Si aujourd'hui j'ai fait cette vidéo, c'est parce que oui, j'ai testé les produits et j'ai décidé de vous en parler. Vous donner mon point de vue, mon vécu, mon expérience avec les produits Crest. Donc, tout de suite, parlons de Crest. Vous le savez peut-être ou vous ne le savez peut-être pas, mais j'étais à Miami et lors de mon séjour, j'ai ramené 3 dentifrices comme ceux-là en fait. C'est le Crest Radiant Mint en fait. Là, celui-ci est terminé et j'en avais 3, donc voilà. Et avant d'utiliser ça, j'ai aussi testé les bandes. Et du coup, je préfère largement le dentifrice. Après, c'est un dentifrice très très chimique. La preuve en est. C'est un dentifrice qui est très très chimique. Pour le coup, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus doux, que le blanchiment se fait beaucoup plus facilement et se fait vraiment étape par étape. Parce que avec les bandes, en fait, j'ai eu de gros soucis. J'ai pas les dents sensibles d'origine. Mais là, lorsque je mettais les bandes, pendant 2 jours, j'avais mal à la gencive, j'avais mal aux dents. Et c'était juste pas possible. Donc, je me suis dit, c'est mort. Je vais pas continuer Crest parce que si ça se trouve, ça m'abîme les dents. Et j'ai même essayé de faire une bande, par exemple, le lundi. Et une autre bande le jeudi, histoire de les espacer, quitte à ce que l'effet ne soit pas ce que je recherche tout de suite, mais que le blanchiment arrive au fur et à mesure. Mais même ça, ça me bousille la gencive, j'en peux plus à chaque fois que je fais Crest. Les dernières minutes sont juste insoutenables, alors que lorsque je fais le dentifrice, ça me fait pas du tout mal, je ressens rien. Après c'est normal parce que je pense qu'il n'y a pas autant d'actifs qui agissent sur les dents, mais là c'est juste pas possible pour celui-ci. Donc là, il me reste des bandes. Il me reste la bande de 1 heure. Et il me reste aussi 10 bandes de 30 minutes à faire. Et à chaque fois que je me dis, tiens, je vais réessayer, j'ai juste la boule au ventre parce que je me dis, ça me fait tellement mal comme si on m'arrachait une dent. Donc je sais pas, peut-être que je dois avoir un problème dentaire. Mais bon, bref, je ne sais pas. Mais du coup, voilà, j'ose pas trop les faire. Et vu que j'ai plus de Crest, j'en ai commandé sur Amazon. J'en ai commandé sur Amazon et du coup voilà, j'ai refait le plein. Et j'ai une copine qui revient des États-Unis le mois prochain, elle va aussi m'en ramener. Parce que forcément ça coûte moins cher là-bas. De mémoire, le tube il coûtait 3,49 $. Donc environ 3 €. Donc je pense que c'est largement bien pour un dentifrice. En plus c'est le gros tube, c'est celui de 198 g, donc il m'a duré vraiment très longtemps. Ça fait maintenant 3 ou 4 mois que je suis revenue des États-Unis. De toute façon, que on est 2 à l'utiliser, je trouve que c'est gérable, voilà. Et pour parler du résultat, donc je n'ai pas pris de photo avant après parce que j'avais pas pour but de vous faire une vidéo sur ça. Mais de moi-même, j'ai remarqué déjà que mes dents ont gagné 2 sous-teintes de blanc. C'est pas que j'avais les dents jaunes poussins, mais j'avais pas les dents blanches. Et j'ai remarqué que j'ai gagné 2 sous-teintes de blanc. Et je trouve que c'est plutôt bien. Et on voit réellement les résultats. Du coup, ça me plaît. C'est pour ça que j'ai envie de continuer sur le dentifrice. Quitte à ce que ça prenne un peu plus de temps, je suis pas pressée, j'ai pas envie de faire un truc vraiment chimique qui abîme mes dents. Donc voilà. Voilà les filles, c'était juste une petite revue pour vous expliquer mon expérience sur Crest.
Vous savez maintenant comment ça s'est passé pour moi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et c'est avec plaisir que je vous répondrai. En attendant les filles, je vous fais des millions de bisous. On se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !